Wow, bonjour frère et soeur, comment allez-vous? Ça y est, enfin nous sommes en 2020. Le temps tant attendu est enfin là. Qu'allez-vous même faire cette année? Que va-t-il se passer? Personne ne sait. Les gens ont prévu des trucs. Mais c'est Dieu qui décide de tout et qui valide tout. Frère et soeur, suivez-nous, c'est le premier jour. Et j'ai envie de marcher avec vous. Allons découvrir ce qui se passe dehors. C'est la première fois que je mets les pieds dehors en 2020. C'est un truc de ouf et nous sommes le premier jour. Il y a même des véhicules qui ont barré le chemin. Mais nous devons avancer. Notre route est tracée. Allons jusqu'au bout. Bienvenue, nous sommes sur Yonsebonne. Et ici, nous sommes en famille. On parle des vraies choses. On rencontre des vraies choses. Et il y a aussi des news. Là, je sors acheter quelque chose à manger. Et on voit qu'est-ce qui se passe même. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous savez que nous avons fait un live. On a causé avec les abonnés. Quelques conseils pour bien aborder l'année. Et là, nous sortons juste pour voir ce qui se passe. Regardez même les voitures, les gens sont carrés là, tout simplement parce que les gens sont à la maison de manger du poulet sans même m'inviter. Mais pourquoi? Mes frères, invitez-moi quand même souvent. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Nous sommes en famille, non? Nous sommes en famille, non? N'attendez pas les périodes de feu pour les moyens, c'est les gens. Faites attention. C'est juste pour rigoler. Hein. Bien. Maintenant, dites-moi. Comment avez-vous passé cette fête de fin d'année? Cette fête, tout ça. Moi, j'étais tranquillement à la maison. Vous avez vu ce que nous avons fait. Ce n'était pas caché puisque nous étions même en live ensemble. Vous avez vu ça? Comme vous avez vu dans les vidéos précédentes, moi j'étais sorti acheter des trucs. Juste, voilà, pour passer un moment tranquille. Je n'ai pas mangé quelque chose de spécial. Du genre, du poulet. Non, pas encore. Nous sommes entrés en force et en puissance de cette année. Avec quelque chose comme du poulet. Mais c'était le 30. Du 29 au 30, nous avons mangé du poulet. Et voici que le 31 est arrivé. On a mangé un truc simple. Et le premier, c'est encore un truc simple. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas manger du hamburger, tout ça, tout ça? Ma frère, c'est vous mangez ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Mais que Dieu vous a coupé de vos choix. Le plus important, c'est que nous sommes finalement ici. Certains n'ont pas eu la possibilité d'entrer dans cette année. C'est un truc de ouf de que nous soyons quand même là. Hein. Que Dieu ait pitié de nous. Il y a même une star ici qui avait fait un accident dans une telle voiture. Une voiture de la même taille. Même chose comme ça. Là, cette personne était couchée comme ça. Au moment que j'ai vu ça, je me suis dit vraiment dans la vie, nous devons avoir la crainte de Dieu et éviter même de nous taper la poitrine n'importe comment. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Cette personne était couchée comme ça. On appelle les secours. Venez l'été. Les secours tardent à venir. Ça, c'est ce qu'on a vécu en 2019. L'année a commencé. Déjà, les gens sont de se souhaiter les vœux les plus extraordinaires. Qu'est-ce qu'on dit même? Que l'année réussisse pour toi. Meilleurs vœux, longévité.
Moi, j'aime pas tellement entendre ce genre de choses. J'aime pas tellement entendre ce genre de choses. Parce qu'elle n'a jamais quand même dit longévité, joyeux, merveilleux, longévité au même genre, mais ces gens-là même sont même partis, même avant même nous tous ici. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Cette affaire où on dit, ah, on entre dans une nouvelle année, on doit se dire, meilleur vœu forcément, là. Est-ce que même c'est même obligatoire? Dites-moi, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire qu'on doit forcément dire meilleur feu? Tout ça. Même vos ennemis aussi souhaitent meilleur feu. Ils viennent. Eux-mêmes, ils attendent même le jour des fêtes là même pour pouvoir bien vous attaquer. La partie, on va dire, meilleurs vœux là. Eux-mêmes, ils attendent ça depuis pour bien venir vous visiter et se préparer à bien vous combattre. Le combat continue. Ne baissez pas les bras. En période de fête, les gens ont tendance à être légers. Mais nous sommes toutefois en guerre. Nous sommes toutefois en guerre. Et vous devez comprendre que dans cette guerre spirituelle, il n'y a pas de repos. Ou du moins tant que nous sommes sur la terre. On attendait tout janvier. Janvier est arrivé. Le premier est arrivé. Nous sommes finalement en 2020. Comme vous savez, dans la vie, toutes choses passent. De la même manière, les gens ont entendu cette année-là. C'est de la même façon, cette année va passer. Elle va partir comme elle est venue. Comme une voiture qui passe, qui s'en va, même sans s'arrêter. C'est un truc de ouf, hein. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir même bien marquer l'année? Vous savez, quand une année arrive, tout le monde est content. Pourquoi? Bon, premièrement, c'est parce que les gens espèrent que cette année sera meilleure que l'année dernière. Comme ce Dieu, chaque jour a son temps. Vous entendez là-bas, il y a trop de bruit là-bas. La nouvelle année que vous voulez qu'on les reproche, on va changer de chemin. Vous voyez ça? Donc, quand la nouvelle année arrive, les gens espèrent que l'année là sera bonne. Personne ne peut espérer que l'année là sera mauvaise. Personne. Mais qu'est-ce qui va permettre que l'année là soit bonne? Qu'est-ce qui va permettre ça? Personne ne sait. Sinon, on va dire, ah, il faut qu'on travaille pour pouvoir. Il faut qu'on travaille déjà dur et bien pour que l'année même soit parfaite. Ah, c'est ce que nous sommes en train de nous dire. Il faut qu'on travaille même dur pour espérer que cette année-là soit bonne. Mes frères et sœurs, moi je vais vous dire, toutes les années peuvent être favorables pour vous. Toutes les années peuvent être bonnes. Il faut juste se mettre en contact avec Dieu. Et Dieu va vous permettre d'avoir ce que vous cherchez. Mais ça ne sera pas une chose facile. Il y a même de la musique qu'on peut ici. Voilà. Il y a juste des chanter, c'est ça. Regardez, les portes sont fermées. Hein. Et ils sont des écouteurs seuls de la musique là-bas avec de la bonne nourriture, ça sent bon. Il ne veut pas que j'aille chez eux ou quoi. Il ne veut pas l'inviter aujourd'hui. Un truc de ouf. J'ai dormi peu, hein. Juste quelques heures. Bon. Regardez là-bas. Regardez ici.
Pour que l'année réussisse, il faut vraiment que nous commençons par ce qui est le plus important d'abord. Dieu nous demande de chercher premièrement le royaume des cieux avant de chercher toutes les choses qu'on voit même autour de nous. Déjà pour garantir ta vie après la mort. Encore la musique ici. Une fois que tu as garanti ta vie après la mort, là, on va dire ok, tu peux maintenant chercher ce que tu veux, Dieu va t'aider. Et là encore, dans ta quête du bonheur, là, dans cette quête du bonheur là, tu vas rencontrer des difficultés. Regardez la taille de la voiture, regardez ma taille, regardez la taille de la voiture. Ah, et que j'étais même grand. Ouais, la chose qui me dépasse, même c'est la taille ici. Un truc de ouf, un truc de ouf. Nous sommes en 2020, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. C'est un état d'esprit. Si vous vous dites que l'année 2020 sera une très bonne année, il y aura de très grandes choses. C'est ce que vous allez attirer vers toi. Oui, c'est ce que vous allez attirer vers vous. Oui, mon frère, si toi tu dis que cette année sera une bonne année, ah, ça serait une bonne année. C'est même ce que tu as attiré vers toi. Mais si tu te dis que, oh, cette année encore, ce sera encore des trucs bizarres, tu vas aussi attirer ça vers toi. De toute façon, tout se trouve au bord de tes lèvres. Fais attention aux paroles que tu dis souvent. Faites beaucoup attention aux paroles que vous dites souvent, quand vous voyez les gens en garage juste la voiture, ils sont chez eux, ils font de la belle vie. Parce que c'est le nouvel an. Si vous dites dans votre tête, cette année sera une bonne année, et que vous réaliserez des choses extraordinaires, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Mais là encore, ne pensez pas que ça sera facile. Il y aura sans doute des difficultés. Sans difficulté, il n'y a pas de réussite. C'est pas possible, c'est pas possible. Normalement, c'est comme ça. Sinon, quel serait votre témoignage? Mais qu'est-ce que vous allez dire? Oh, c'était facile! Oh, tout était facile. Et moi j'ai même réussi. Et de toute façon, c'est un héros. Ah, c'est un truc de ouf. Rien n'est facile sur la terre, n'est-ce pas? Même quand tu manges, si tu ne fais pas attention, tu risques de faire passer la nourriture par ton nez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est une expérience terrible. Surtout quand il y a du piment dans la sauce. Ah, vous allez même commencer à crier. Il y a un gars. Il y a un pasteur, il dit que si vous le provoquez, que vous le rencontrez là, dès que vous allez le voir, vous allez commencer à crier « Ori baba baba, Ori baba baba !» Jamais c'était, ils vont rire, hein. Quand j'ai des personnes qui disparaissent, ça nous fait tellement mal. Parce qu'on se dit « Bon, cette personne a passé son temps à amuser la galerie. » C'est-à-dire la couleur de la voiture là. C'est quand même joli, hein. C'est quelle couleur là? C'est quelle couleur? C'est du vert ou loup, c'est même quoi? Je ne sais même pas. À chaque fois qu'il passe ici, je regarde la couleur de la voiture. Je me dis, mais pourquoi vraiment tes voitures? On voit des cris souvent, tu pleures. Mais c'est qui là-bas là? Les uns et les autres. Vous êtes dans quoi la musique hein? Les gens ont fermé leurs portes, ils sont en train de faire la belle vie là-bas chez eux. Juste à cause de moi pour que ne même pas que je vienne les visiter. C'est pas vrai. Mais vous voulez que vous disiez dis quoi? Bon, je dis qu'en ce moment, ils passent du bon moment avec leur famille. Les gens achetaient du poulet et tout ça. Que l'année soit bonne. Que l'année soit bonne. Nous sommes en train de parler de tout et de rien. Nous sommes juste en train de voir ce qui se passe. De cette nouvelle année, tout ça.
que Dieu aide, nous aide à avancer, que Dieu vous aide à avancer. Surtout, ne faites pas des choses bizarres, des choses étranges. Si vous aimez la belle vie, c'est extraordinaire, mais faites attention aussi. Les sensations fortes, là. Faites attention à ça. Les gens qui aiment beaucoup rouler aux motos et qui soulèvent les motos, là, qui font des cascades. Vraiment, faites beaucoup attention aussi. Tirez des leçons de ce qui s'est passé dans les années précédentes pour mieux gérer cette année. Afin que cette année soit une année riche. Chaque fin d'année, il y a des bilans d'entreprise, donc bilan de l'entreprise. Les comptables arrivent, tout le monde arrive. Et réfléchissent sur ce qui s'est même passé même l'année dernière. C'est même la raison pour laquelle nous avons fait telle chose. Juste pour vous permettre aussi de voir plus clair l'année prochaine. L'année prochaine, dans certains pays, il y aura des élections. En Afrique, des élections sont des lieux où les gens se font la guerre. Ne soyez pas des simples suiveurs. Ne soyez pas des simples suiveurs. Parfois, ceux même qui viennent se positionner là comme des gens qui sont des opposants là, ou qui sont opposés, qui sont de différentes origines. Parfois même ces deux parties là même se connaissent très bien, mais ils sont là pour mettre les gens en conflit. Faites attention à ça aussi, hein, pour ne pas entrer dans les trucs bizarres. Un singe. Oh, quoi que c'est un singe. Il y a un deuxième singe même qui est là. Un singe sérieux. C'est un singe. Premier jour, je dois aller à la maison, il y a un singe. C'est un bon signe, mais c'est un mauvais signe. Répondez-moi. Ah. Est-ce que c'est même un bon signe? Tu de vous faire. Déjà ce qu'on dit. Ah, dès que vous voyez un truc. Ah, c'est mauvais signe. C'est chaud. Pourquoi j'ai vu ça? Mais faut qu'on avance en voici. Est-ce que vous croyez aux superstitions? Quand on dit qu'on ne doit pas acheter une aiguille la nuit là. Est-ce que vous croyez à ça? Bah, de toute façon. Jésus-Christ nous a libérés de beaucoup de choses. Hein. Sinon, on serait encore en prison même. Là, je vais faire une opération que je n'ai pas pu faire en 2019 ou le dernier jour de 2019. Je vais essayer de voir si au moins en 2020 ça va marcher. On va essayer. C'est la même raison pour laquelle je suis sorti aussi. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont encore en vie. Et que cette année soit une année extraordinaire où vous apprendrez beaucoup de choses. Surtout, n'ayez pas peur des difficultés. Affrontez-les. Avancez. Avec une force d'espoir. C'est parti pour la prochaine vidéo.